Je suis Monsieur Touré BTS, animateur radio. J'ai fait Fréquence 2, j'ai fait Radio Côte d'Ivoire, j'ai fait, j'étais stagiaire BBC, RFI, et j'ai fait Africa Environ, j'ai mentionné. J'ai fait des radios françaises, ça je ne vais pas revenir dessus. Mais je suis activiste sonore, sorti de l'Institut national de l'audiovisuel, un majeur de ma promotion. Et donc, je suis professeur de lettres, art et lettres, option art plastique. Bon, ce jour, nous avons organisé une activité qui, pour moi, est un espoir, est une source de vie, est une reconnaissance dans son ensemble. Mais parlant de reconnaissance, je tenais à remercier Maman Aïcha Kone la Diva, je tenais à remercier Keke Kassiri, je tenais à remercier Antoinette Conan, je tenais à remercier Noël Touré, des gens qui nous ont soutenus, qui croient en ce qu'on fait. Et dans la même foulée, je tenais à remercier des hommes fort cultivés qui aident à la promotion de cette idéologie. J'ai nommé M. Fofana Adamandro Sautier, qui s'est investi dans l'élaboration, la construction même de ce que nous faisons, le plan technique. Et donc, pour continuer, l'objectif que vous m'avez demandé de ce rendez-vous, d'abord, le fondement, nous avons créé un concept qui s'est dit rétro Touré BTS concept. C'est une philosophie de donner vie à la musique rétro sous toutes les formes, de donner vie aux musiciens, aux artistes qui ont marqué ce temps sous toutes les formes, de donner vie à notre environnement, de réhabiliter ce qui a marqué le temps. Alors quand je parle de réhabilitation, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, notre concept a pour première mission de donner la possibilité à des jeunes qui pensent que parler de rétro, c'est du réchauffé. Non. Le rétro est la base de toute activité musicale. Parce que quand vous êtes né, vous venez trouver déjà une musique. Et ce sont ces musiques-là qui vous donnent la possibilité d'être inspiré, de choisir, de faire une certaine orientation. Donc je disais alors, notre activité a pour mission première de refaire, de restaurer, de recréer le rétro, la musique rétro, mais dans un concept d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit? Je prends le cas de notre lancement officiel. Le lancement officiel, c'est le 4 février. Et ce 4 février, vous allez voir que ces musiques d'antan, des musiques d'autrefois, et ces artistes-là vont être dans une boîte de nuit qui ne dit pas son nom. La boîte s'appelle Asuba. Et la boîte est Asuba, Coco Lounge. Là-bas, c'est dans l'architecture nouvelle, dans les feux d'artifice nouveaux, dans la sonorisation nouvelle, mais ce sera de la musique d'hier. Ça veut dire tout simplement que nous donnons, en fait dans la vie, il n'y a rien ne se perd, ça c'est encore. Nous avons compris qu'il faut donner vie à nos envies en brisant cette barrière. Donc, pour revenir à nos réalités, mesdames, messieurs, je voudrais tout simplement que chacun comprenne. L'objectif de ce meeting, de cette rencontre ce soir, ce matin, c'est pour donner à vous qui êtes un communicateur de relayer l'information. Dites aux gens, désormais il y a la structure qui est créée, tous les médias de concept, qui ne fait rien d'autre que donner vie. C'est comme si quelqu'un Kassiri venait de sortir à Bihan. Et on a les moyens de ça. Et les moyens de ça, c'est d'abord concevoir, accepter que c'est ce qu'on veut faire. Vous voyez à ma droite Antoinette Kouna, vous voyez à ma gauche Keke Kassiri, vous voyez Didier Max. Didier Max, DG de Didier School Abidjan. Je suis très content de m'associer à ce joli concept de mon cher aîné Mondoyen, que j'appelle affectueusement le monument de la musique. Alors, ces rétros-là, c'est venu à point nommé. Moi, je pense qu'il est temps d'accompagner ce genre de concepts pour donner le meilleur de soi-même. Moi, je n'y vois rien de plus chic que la musique rétro. Quand je parle de la musique rétro,
je vous amène dans les années 70, jusqu'à même, pourquoi pas, 2020. Chacun a son rétro. Et c'est ce qu'on va vivre. On va feuilleter, si vous voulez, voyager musicalement dans ces styles de musique-là, avec des différents types de genres. Quand on vous parle de, par exemple, je vous parle, moi ici, DJ, quand je vous parle de l'afro cubain, le loin est là pour mieux placer, pour mieux en parler, l'afro cubain, mais c'est beaucoup de styles de musique cubaine, c'est beaucoup de styles de genre. Dans l'afro cubain, tu retrouves Wamanko, Charanga, Salsa, Sol, Oduno. Merci beaucoup, Merengue et j'en passe. Nous, à DJ School, comme je vous disais aujourd'hui, on a pris de l'analogique, on a numérisé tout ce qui est discothèque, d'accord, avec des logiciels qu'on a achetés, de vrais d'ailleurs, pour pouvoir donner une bonne animation, si comme on était dans les bons vieux temps, d'accord. À l'époque, on jouait avec les saphirs qu'on appelle les aiguilles, mais aujourd'hui, vous avez ces mêmes sonorités avec des nouveaux logiciels, avec des mix, vraiment, je vous dis, des ouf. Moi, je suis très content que le grand frère m'ait associé à cette soirée rétro-là. Je pense que je serai le DJ le plus heureux parce que je vais vraiment m'épanouir là-dessus. Moi, DJ Max, je vous donne rendez-vous le 4 février à Asuba pour une soirée de ouf, soirée rétro, 100% rétro. Quand je dis rétro, je parle bien sûr des rétro. Pour d'autres personnes qui ne connaissent pas les styles rétro, je vais venir aux années 2000 et vous parler un peu du style flashback. On vous parle des rétro-funk, des rétro-zouk love, ainsi de suite. Venez, on va voyager. Il y aura afro-cubain, il y aura soukous, tout ce que vous pouvez imaginer, les madiaba, les makosa, tout ce que vous voulez. Venez, on danse nyama-nyama, ouais, un peu, non, le vieux père Kaziri, venez, RAS, NI, tout ce que vous voulez. Hein? Djolo National et autres. Allez, merci beaucoup. Et puis, je vous invite surtout, il y a aussi la musique stylée qu'on va faire, on va ressortir des remixes dans les rétros, d'accord. Je donne un exemple, le morceau d'Antoinette Conan, je suis sûr que vous connaissez bien, le morceau est Abidjan, c'est ça. J'aime bien ces morceaux, mais je l'ai renouvelé. Venez écouter des réchauffés. Bon, je vous invite à être à cette soirée rétro. Merci beaucoup. Même si le soleil estompe la couleur, le temps estompe la douleur. Oui. Parce que quand vous écoutez Mickey Mickey en 1978, mais Mickey Mickey a pu tenir jusqu'en 2023, je ne vois pas de soirée, même de soirée de 18 ans. Tu vois, même Mickey Mickey, on réagit. Mais est-ce qu'on a besoin de se cacher pour parler de lui? Non. Donc la structure présente aujourd'hui est venue pour éclairer, restaurer, donner la valeur, le contour réel à cette existence musicale. Mais sachez que la musique rétro ressemble à la vie de l'humain. Tu fais ton temps et puis une soirée. Nous sommes donc les gens qui ont organisé ça. Pour dire, si Antoine Conan, tout à l'heure, avait dit un mot peut-être, quelqu'un qui a dit quelque chose, pour dire que nous, quand on prend un parrain dans le concept de l'OBTS, on n'étrangle pas le parrain. On ne l'appelle pas pour nous donner des millions. On n'a pas besoin. On veut qu'il vienne avec des amis. Il prend un salon, deux, trois salons, avec ses amis, il vit. Ça compte beaucoup plus pour nous que de nous donner des millions. Parce que quand il vient avec ses amis, il aura soigné des malades dont la maladie relève de la psychologie parce qu'il leur manque quelque chose. Et grâce à cette notre présence, les facultés se retrouvent. Et puis ils sont requéqués. Donc nous sommes une forme de regain. Et donc, maintenant pour aller à Souba, c'est sur invitation, mais tout le monde est invité d'office. Mais les célébrités, on fait appel à toutes les célébrités de Côte d'Ivoire, même bien qu'ils soient pas, s'il y a des célébrités qui ne sont pas ivoiriennes, et on les invite tous. Maintenant, c'est juste pour prendre des salons. Quand on dit vous prenez le salon, vous venez avec vos amis, vous réservez seulement le salon. Quand vous réservez le salon, nous on sait que vos amis qui viendront, ils vont s'amuser, ils vont apprécier. Ils vont être heureux, ils vont apprécier à sa juste valeur.
Donc il n'y a pas de barrage véritable. Il n'y a pas à dire, il faut payer 20 millions, il faut payer 10 000 francs. Non. Maintenant, on va organiser, il y aura des mini-cars qui vont partir d'Abidjan à Asuba. On a déjà vu des hôtels, tout le monde porte assistant. C'est la plus grande fête de l'année. Fanfaron, comment peux-tu te faire l'idée que tu es le plus rusé? Le monsieur que tu as vu était bien le mari cocu. Mais comme tu n'en faisais plus qu'à ta tête, j'ai voulu qu'il te fasse ta fête. Oui, aïe, 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 aïe. Je suis Antoinette Conan. Je suis artiste, auteur, compositrice. Et je suis commandeur de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien. Je vous invite le 4 février 2023 à Asuba parce que ce sera une fête danse. On sera dans un registre qui n'est pas toujours connu, qui n'a pas toujours été connu par ici. Et on vous invite à venir découvrir ce qu'on vous proposera, ce nouveau concept qui est la musique rétro, reflet de l'identité culturelle. Ça veut tout dire. Donc c'est tout un programme. Je vous invite à venir massivement à Asuba ce 4 février 2023 pour qu'on s'amuse et qu'on découvre ensemble ce qu'est ce concept. Moi, c'est Keke Kassiri, artiste musicien. Alors, je vais vous interpréter une chanson. Voilà, Africa. Loin de toi, Africa, ton souvenir me poursuit dans mon cœur comme l'amour d'une femme. Africa, doux pays de mon cœur. Alors, rendez-vous le 4 février à Asuba. Pour vivre ces moments-là. Pour nous soutenir. Le rendez-vous, c'est une affaire de souvenirs. Nous, on a décidé d'embellir notre existence. Alors, pour vous, il va falloir tenir. Ensemble, il faut partir à Asuba. Pour jouir, anir. Mesdames, Messieurs, 4 février 2023, jamais vu dans cet état. Jamais conçu comme ça. Touré BTS Conception Rétro, concept rétro, c'est sur toute la ligne. Venez découvrir ce que vous n'avez jamais vu. La musique d'hier revue dans l'environnement d'aujourd'hui et dans la succulence d'aujourd'hui. Nous serons à Asuba le 4 février 2023. 07 68 73 73 73. Je reprends. 07 68 73, 73, 73. Ça fait trois fois. 01, 02, 73, 73, 73. Ça marche, je reprends. 01, 02, 73, 73, 73. Ça marche. Et donc le 05, 85, 13, 13, 13. C'est bon? Bon. Merci.